notre message. The vision of our message. It's the year of distinction and the year of demarcation. La vision de notre message, c'est une année de distinction et une année de démarcation. We want to be distinguished this year. Cette année. We want to become the head and not the tail. Nous voulons devenir la tête et non la queue. God has some good stuff for us. Dieu a quelque chose de bon pour nous. Today we are to the end of day number three. Aujourd'hui nous sommes pratiquement à la fin du troisième jour. And we are going to get on number four. Et nous allons passer au jour quatre. And number five. Et jour cinq. So God help us. Ainsi que Dieu laisse que Dieu. Let us read Matthew chapter 7 verse 16. Lisons Matthieu chapitre 7 verset 16. The Bible declares, recognize them by the fruit. I'm going to repeat that again. Je vais le répéter encore. La Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. You are going to know a child of God by his fruit. Vous allez reconnaître un enfant de Dieu. How are you going to know that you are saved and born again? Comment saurez-vous que vous êtes sauvé et né de nouveau? By producing fruit in your life. C'est en produisant des fruits dans votre vie. You will recognize them only by the fruit. Vous allez les reconnaître simplement par la fruit. The fruit comes by what we say. Les fruits viennent de ce que nous disons. What we do. Ce que nous faisons. What we think. Ce que nous pensons. This will determine what kind of fruit are you producing. In your life. Cela va déterminer quel genre de fruit vous produisez dans votre vie. Now, the word of the Lord declare. La parole de Dieu déclare. In verse 16, you will know them by the fruit. Do men gather grapes from thorn bushes or fig from thistles? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillent-on des raisins sur des épines ou des figues sur le chardon? Now, if you read verse 20, si vous lisez verset 20, it says, it is therefore by the fruit that you will recognize a Christian. C'est donc à leurs fruits que vous reconnaîtrez les chrétiens. You will know Christian by the fruit. Vous allez reconnaître les chrétiens. The way they are acting, la manière dont ils agissent, the way they are doing things, la manière dont ils font le chose. You're gonna tell this person he is a Christian. Vous allez déterminer si une personne est our behavior, notre comportement, and our action, et nos actions, will take glorify, will make glorify the Lord when we act according to His. Nos actions vont glorifier Dieu si nous marchons conformément à ses actions. Or according to His will. Ou conformément à sa volonté. When our acts are conformed to the word of God. Lorsque nos actes sont conformés à la parole de Dieu. And to His commandment. Et à ses commandements. This really shows that we are the children. Cela va montrer que nous sommes les enfants de Dieu. This shows that we are the tree of life. Cela va montrer que nous sommes des fruits de la vie. And we are producing. Sing the fruit of this life. Et nous produisons le fruit de cette vie. I usually say, je souvent dis, in Congo we have mango tree. En Afrique nous avons le manguier. The mango tree are there. Les manguiers sont là. And in Congo, because people are suffering, there is no food. Et parce que les gens souffrent qu'il n'y a pas. They don't let no mango fruit to get to ripen, right? To ripen. Il laisse pas que la mangue puisse mûrir. When there are only little tiny mangoes. Lorsqu'ils sont encore au niveau green. Ils sont encore verts. Sometimes they do not even have the seed. Ils n'ont même pas encore le noyau. But you're gonna see people. Et vous allez voir les gens. They're gonna go before the mango tree. Avant que le avec with rock. Ils vont aller vers le manguier. Big rock more than even the fruit. Une pierre beaucoup plus grande même. What do they want? Que veulent-ils? We are talking about Kinshasa because in the region you have a lot of mango. Et nous parlons de Kinshasa parce que dans la région intérieure il y a. They will be standing there for hours trying to. Get that true and the fruit. Ils vont se mettre là pendant longtemps essayer d'obtenir le fruit. But you do not see the tree complaining. Mais vous ne voyez pas ça. Or you don't come the next day and see the tree replacing itself. Vous n'allez pas venir le lendemain et voir le fruit. You will see the mango tree. Vous allez voir ces manguiers. You're gonna see their cat. Vous allez voir qu'il y a des the
Because there is a liquid coming out. Et vous allez voir que de l'écorce, il y a de liquide qui coule. The tree is crying. L'arbre est en train de pleurer. But the tree knows his responsibility. Et mais le fruit, le manguier sait que c'est sa responsabilité. It's for me to feed the people. C'est pour moi de nourrir les gens. The people are not nice enough with the tree. Les gens ne sont pas assez gentils avec l'arbre. Instead of climbing the tree, au lieu de grimper l'arbre, they are afraid of falling or ils ont peur de tomber on the tree. Ou de se prendre so they use rock. Alors ils utilisent le rocher. Now, rock is so violent. Mais le rocher est tellement violent. But you don't see a tree speaking. Mais vous ne verrez pas un manguier parler. All the trees saying, oh, bobukangali susute sokomeke okukufa. Vous ne verrez pas l'arbre dire, do not do that again. If you do that, you're gonna die. No, the tree is just there. L'arbre est because he knows his duty. Parce que l'arbre sait ce qu'il est en train de faire. His responsibility. Qu'est-ce que sa responsabilité? Now, let me ask you a question. Laissez-moi vous poser. As a spiritual tree. Comme un arbre spirituel. Do you support those rocks that they are throwing on you? Supportez-vous le rocher ou le pierre qu'on lance contre vous? Those rocks that is leaving cuts in your heart. Ces rochers qui laissent de marques dans votre vie, dans you votre are coeur. Hurting. Vous êtes blessé. They are gossiping against you. On critique contre vous. They criticizing you. On vous critique. They calling you big nose. On vous appelle avec un grenier que vous êtes laid. This and that. Que ceci, que cela. Do you take those rocks? Est-ce que vous prenez ce rocher? That they are throwing on you. Qu'on jette sur vous. Why you do not want other people to be fed by you? Pourquoi vous ne voulez pas être d'autres personnes être nourri par a tree does not move. L'arbre, il ne se mouve, ne se met pas. Tree is there. L'arbre est fait. He knows his responsibility. L'arbre connaît sa responsabilité. That one day, qu'un jour, I will be feeding millions of people. Que je devrais nourrir des milliers de gens. So you are a tree of life. Alors vous êtes un arbre de vie. There are a lot of people, some of your friends, good friends, who hate you. Il y a beaucoup de gens, certains de vos meilleurs amis sont en train de vous jaloux. Qui ont de la jalousie. They don't want you. Ils ne vous veulent pas. Because you have some good fruit. Parce que vous avez des bons fruits. You know, good fruit, the tree of a good fruit is hated by people. Vous savez le fruit they est bon only want par what the tree gives them. Ils aiment ce que l'arbre leur donne. But they don't like the tree. Mais ils aiment pas le fruit. You don't see anybody going getting the tree and start eating the tree. Vous ne verrez personne aller prendre l'arbre et le manger. They wanna eat the fruit. Ils veulent manger le fruit. You have some fruit in you. Vous avez certains fruits. That is attracting other people. Que ce fruit attire d'autres personnes. To get close to you. Pour vous approcher. Why you do not allow people to gossip? Pourquoi vous n'autorisez pas aux gens de vous insulter? Je vous insulte. You yourself, you insulted the people. Vous seul, vous êtes en train de souffrir. You criticize people. Vous critiquez les gens. But now, when they are criticizing mais lorsqu'on vous le critique, it builds internal wounds. Ça crée des blessures. Oh, I am hurting. Où je suis blessé. I am rejected. Je suis rejeté. Why? Pourquoi? And you are saved and born again. Vous êtes sauvé et de nouveau. When you got saved and born again, lorsque vous étiez sauvé, Jesus removed that rejection in your life. Jésus a enlevé la rejection dans votre vie. Jesus removed that generational curse in your life. Dieu a enlevé la génération. Why are you complaining? Pourquoi vous vous lamentez? You also you used to do bad things. Vous aviez l'habitude de faire de mauvaises choses. On the other hand, when we do bad things, et de l'autre côté, lorsque nous faisons de we choses, push and excite unbelief to mock and blaspheme the name of our Lord. Nous poussons ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne croient pas, de blasphémer le nom du Seigneur. It is very serious and dangerous. C'est une chose sérieuse et dangereuse. Let us behave wisely. Laissons que nous puissions agir sagement. And keep the right attitude. Et garder la bonne attitude. Even before those who do not have faith. Même devant ceux qui n'ont pas la foi. So that they will see our good works. Et ils vont ainsi voir nos bonnes choses. And good attitude. Et notre bonne attitude. And that one day. Et un jour. We will lead to follow the same path that we took.
Nous allons les aider à suivre le même chemin que nous avons pris. So you need to be a man of good attitude. Vous devez être un homme de bonne attitude. Not only when good comes. Pas seulement lorsque les bonnes choses arrivent. You stand up, you testify. Vous vous levez et vous témoignez. You are excited. Que vous êtes content. Even though when things is not doing okay. Même lorsque les choses ne marchent pas convenablement. You need to learn how to thank God. Vous devez apprendre comment le louer. How to praise Him. 1 Peter chapter 2 verse 11 and 12. Pierre chapitre 2. He says this, dear friends. Jesus calls you and I Christian friends. Jésus vous appelle vous et moi de fils. He says, I'm not going to call you a servant any longer, but I will call you a friend. Everybody say, a friend. You are a friend of Jesus. Vous êtes ami de Dieu. If Trump today is your friend, si Trump est votre ami aujourd'hui, you're not going to care if he has a meeting with the Senate. Vous n'allez pas vous allez vous en foutre. You're just going to call him. Vous allez simplement l'appeler. And he's going to answer. Il va vous répondre. Hey Alex, I am in the middle of the meeting. I'll call you back. Okay. Je te dirai, je suis au milieu de, en plein milieu des réunions. Je t'appelle. That's Trump. C'est Trump. So Jesus now is calling you my best. Et Jésus vous appelle, vous êtes mes meilleurs amis. Regardless of how busy Jesus may be. Peu importe la manière dont occupé. When you call on him. Lorsque vous appelez en son nom. He will answer you. Il vous répondra. Jesus' telephone never been busy. Le téléphone de Jésus n'a jamais été occupé. You're not gonna find a recorder. Vous n'allez pas trouver un répondeur. Hello, I am now in China and answering all the Chinese prayer requests. Je suis maintenant en Chine. And I will be back probably in 5 years. Et je répondrai peut-être. Please leave your name and your prayer request. I shall be back with you as soon as possible. S'il te plaît, laisse ton numéro et ta prière. We all gonna be dead. Serai déjà mort. Because Jesus is the omnipotent, omniscient, and omnipresent. Dieu est omniprésent, omnipotent. He is everywhere. Il est partout. He hears the prayer and the cry of every single individual. Il écoute la prière de tout un chacun de nous. Now, 1 Peter chapter 2, verse 11 and 12 says, dear friend, I urge you, as foreigners and exiles, to abstain from sinful desire, which wage war against your soul, live such good life among the pagan that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deed and glorify God on the day He visits us. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Be good. Soyez bien. Regardless the situation you go. Peu importe la situation que vous traversez. Can you decide say I'm gonna remain good? Est-ce que pouvez-vous décider que vous serez, vous allez even someone upset me. Même lorsque quelqu'un va me rendre. Even my husband upset me. Même lorsque mon époux m'attristera. Even my wife upset me. Même lorsque ma femme m'attristera. I'll remain happy. No one will steal my joy. Je resterai content et personne ne tire the Bible declares the joy that I give it to you. La Bible déclare que la joie que je vous ai laissée. Don't let nobody take it away. Ne laissez que personne ne puisse vous l'arracher. Because your joy. Parce que votre joie. Is gonna determine your day. Ça va déterminer votre jour. If you are a joyful person. Si vous êtes un homme heureux. You're gonna be happy. Vous allez être content. Good things is gonna happen. Les bonnes choses vont vous arriver. But if you are sad. Mais si vous êtes triste. All the time, tout le temps, complaining, vous complaignant, you are not going to see the goodness of God. Vous n'allez pas voir la bonté de Dieu. Every believer who lives for God is swimming up stream of the world system. Tous les chrétiens qui vivent, ils sont en train de traverser le système du monde. Fleshly lust, le désir de la chair, reach for one as an octopus. Might react for swimmer. Le désir de la chair nous atteint comme la pieuvre. Octopus, la pieuvre. The intent of both is pulled down to the people who is caught. Ces tentacules s'allongent vers les gens qui veulent attraper. God wants you to use the sword of the spirit to cut
of anything in your life that will pull you down into sin. Dieu veut ainsi que vous utilisez l'épée de l'esprit pour couper toutes choses qui vous tirent. Anything that you do, your daughter, your wife doing. Toutes les choses que votre your son doing. Votre fils. Your daughter doing. Votre fille fait. That will provoke you to sin. Cela va vous pousser à pécher. Cut it off. Coupez-le. Take your eyes away from it. Enlevez-le. Retirez vos yeux. Stop praying for your daughter, from your wife, from your husband. Priez pour votre époux. And I believe if we start doing this, si vous faites ainsi, we're not going to have a lot of problems. Nous n'allons pas avoir beaucoup de problèmes. We are not going to have a lot of problems. So you need to pray. Alors vous devez prier. Lord, I have found delight in I have found delight in the enemy instead of you. Seigneur, j'ai trouvé mon plaisir auprès de l'ennemi au lieu de trouver mon plaisir auprès de vous. Forgive me for all the time when my behavior and deed have been unjust, because even my secret actions are not hidden from your eyes. Pardonne-moi pour toutes les fois que mes actions n'étaient pas correctes, parce que même mes actions les plus secrètes ne sont pas cachées. We need to live this way every day. Nous devons vivre cela chaque jour. Before you go to sleep, you have to ask for forgiveness. Avant d'aller dormir, demande pardon. Because you do not know how you are sinning. Parce que vous ne savez pas comment est-ce que vous avez péché. You may even think something evil. Vous pouvez peut-être penser quelque chose de mauvais. So we need to be constantly asking prayer. Nous devons alors d'une manière Habakkuk chapter 1 verse 13. Habakkuk chapitre 1 verset 13. Habakkuk chapter 1 verse 13. Habakkuk chapitre 1 verset 13. Your eyes are too pure to see evil, and you cannot look at iniquity. Tes yeux sont purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. God cannot see iniquity. Dieu ne peut pas regarder l'iniquité. He cannot see evil. Il peut pas voir le mal. Now, if you are producing evil and doing evil, alors si vous produisez le mal et vous faites le mal, he's gonna depart away from you. Il va s'éloigner de vous. There's gonna be a separation. Il y aura une séparation. When we are saved, there are two things that take place. Quand nous sommes sauvés, il y a deux choses qui prennent place. Covenant through the blood of the Lamb. L'alliance au travers du sang de Jésus. And communication with God. Et la communication avec Dieu. If you are sinning, si vous péchez, God is not going to listen to you. Dieu ne va pas écouter vos prières. You can pray. Vous pouvez prier plusieurs but fois. But he's not going to hear you. Dieu ne va pas vous écouter. I have given myself up and offer myself to the pleasure of this world. Je me suis moi-même donné et donné au plaisir de ce monde. Worldly act. Les choses mondiales. Dangerous game. Des jeux dangereux. Our children this last day, the devil is evangelizing them by using bad game. Le diable est en train d'évangéliser nos enfants en utilisant les mauvais jeux. You're gonna go today in the house of pastors. Vous allez aller dans la maison d'un pasteur. In the house of Christians. Dans la maison des chrétiens. You're gonna find evil toys. Vous allez trouver des mauvais jouets. Children are watching dirty movies. Les enfants regardent des films qui ne sont pas autorisés. Witchcraft, Harry Potter. Les films de sorcellerie comme Harry Potter. Things that does not educate them. Des choses qui ne les éduquent pas. So the devil is using these things. Le diable utilise ces choses. To evangelize Christians. Pour évangéliser les chrétiens. He got unsaved people already in his system. Les gens qui ne sont pas sauvés, qui sont déjà dans le système. He is busy right now. Il est occupé maintenant. I saw someone today. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui. In the where I went to cut my hair. Là où je suis allé me coiffer. Barber guy. He was talking the way he was talking. Il parlait la manière dont il s'exprimait. He was using the scripture. Il utilisait la parole. And he was cursing. Et il était au même moment en train d'utiliser de mauvais mots. Et j'ai dit, quel genre de chrétien? Well, he was talking about something, but I did not even make a comment. Il parlait de quelque chose et je n'ai même pas fait un comment. Because what he was hearing, he was saying, parce que ce qu'il était en train de dire, and what I was hearing, et ce que j'entendais, it was really troubling me a lot. C'était simplement en train de me troubler. I just decided to start praying. J'ai décidé seulement de commencer à prier. I don't listen to any worldly music in my life.
my own life. Je n'entends pas la musique mondaine dans ma vie. My car, ma voiture, if you go right now, si vous y allez maintenant, it's a city. The word, I listen to the word. J'entends la parole. I listen to the music 24 hours. J'entends de la musique chaque jour. Music that quote the word. La musique qui paraphrase la parole. That's why I am knowledgeable to the word. Parce que pour cela que j'ai la connaissance de la parole. I don't have a room for Satan. Je n'ai pas d'espace pour le diable. Worldly music. La musique mondaine. Acting like worldly people. Agissant comme les gens du monde. All this dangerous game of the devil and his demonic and evil works. Tous ces jeux de diable et ces mauvais les œuvres de démons. Lord, I'm sorry. Have mercy. Je dis Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi. Help me to be clean. Aide-moi à être propre. Cleanse me and wash me. Nettoie-moi et purifie-moi. I repent. Je me repens. Keep repenting and keep praying. Continuez à vous repentir et à prier. The Lord will bless you. Le Seigneur vous bénira. Now we are entering the fourth day. Alors nous sommes au quatrième jour. Distinctions. Distinction in a relationship. La distinction dans le relation. And in the love of my neighbor. Et dans l'amour de mes voisins. How many people you talk to your neighbor? Just raise your hand. How many of you talk to your neighbor? Combien de vous parlez à vos voisins? How many do you talk to your neighbor? Combien or you just wake up and say, today I'm just going to go in my own street. I'm going to witness to them. Aujourd'hui, vous dites, aujourd'hui je vais passer toute la rue et je vais la rue. Look how we are sinning by silence. Regardez comment nous péchons par le silence. Your neighbor, you never share the word with him. À votre voisin, vous n'avez jamais partagé la who's parole. Now gonna send, who's now going to share with him the word? Qui va donc partager la parole avec you are not there by accident. Vous n'êtes pas là par accident. You are there to minister to all your neighbor on the street. Vous êtes là pour prêcher à tous vos voisins. God forgive me. Le Seigneur me pardonne. These are the things we're supposed to do in 2020. Ce sont des choses que nous devons faire en 2020. We are too busy going to work, going to work, going to work. Come back, we're tired, we sleep, we go. It becomes a routine. Nous sommes trop occupés à aller au travail, à aller revenir. The day that we don't go to work, like on Sunday. Les gens le jour comme les gens ne vont pas à l'église. Where we spend time with our family. Comme nous passons le temps avec notre famille. We become selfish. Nous devenons égoïstes. And there are people who are going to hell 24 hours. Il y a des gens qui vont en enfer chaque jour. And you are there, you seeing them going to hell. Et vous les voyez aller là. The day you're gonna go to heaven. Le jour où vous irez au ciel. And the Lord will ask you. Et le Seigneur vous dira. How many souls have you won? Combien d'âmes as-tu gagnées? How many people in your street did you share Jesus with them? Combien de gens dans votre rue avez-vous you are a minister of the gospel. Vous êtes un ministre de l'évangile. You used to be an elder. Vous avez l'habitude d'être un ancien. How many did you win? Combien avez-vous gagné? Look at all your, the people in your street that went to hell. Regarde combien les gens de votre avenue sont allés en enfer à cause de you don't want to receive no reward. Vous n'aurez pas de récompense. Winning soul is the most important thing as a child of God. Gagner les âmes est la chose la plus importante comme un enfant de Dieu. You need to repent. Vous devez donc vous repentir. Knowing how to live well today has become rare. Savoir bien vivre aujourd'hui est devenu rare. We think living well is having a house, having a car, have a wife and children and have peace. Nous pensons que bien vivre c'est avoir une maison, avoir but une voiture. In your neighborhood, mais dans votre quartier, there are people, they are rapists. Il y a des gens qui sont des violeurs. People who are tormented by demons. Les gens qui sont tourmentés par. And here you have the power and the authority to cast those demons. But you cross your hands. Vous avez donc ici le pouvoir et l'autorité de chasser ces démons, mais vous croisez vos bras. It is incredible to see that even among Christians today.
Il est incroyable de voir même parmi les chrétiens. We don't win souls. Nous ne gagnons pas des âmes. Sunday we come to church. Le dimanche nous venons à l'église. The same people. Les mêmes personnes. We all here knows at least five people. Nous sommes ici connaissant au moins 5 personnes. That are not saved. Qui ne sont pas sauvés. Do you invite them Sunday to church? Est-ce que tu les invites le dimanche à l'église? Do you invite them to church? Les invite. Do you know how many of them are dying? Savez-vous combien d'entre eux meurent? They are sick. Sont malades. Tormented. Tourmentés. We have a lot of things to repent. Il y a de beaucoup de choses pour lesquelles nous devons nous repentir. See that even among Christians. Vous voyez, même parmi les chrétiens. Blood and trusted blood. I don't know how you write the English. We blow out. We get angry. Nous enflammons. Nous sommes en colère. While the word of the Lord has called us to live in peace, harmony, and to each other, forgiving and supporting and carrying each other's burden and using mutual toughness for brotherly love. Alors que l'amour de Dieu nous appelle à vivre en harmonie, en paix, avec la communion. Live in harmony, good harmony with every single person. Vivez en bonne harmonie avec tout individu. We only believe that living in peace and harmony in our family, that's what counts. Nous pensons peut-être que seulement vivre en harmonie avec notre famille, c'est ce qui compte. They are even our neighbor, they have lost their loved one. Il y a même nos voisins qui ont perdu leur bien-être. We don't even go and cry with them and present them the condolences. Nous n'allons pas vers eux pleurer avec et présenter même nos condoléances. Romans chapter 10, 12, verse 10. Romains chapitre 12, verset 10. Make my joy perfect. Having the same feeling, the same love, the same soul, the same thought. Do nothing out of your selfishness or seek vainglory. But let humility make you look at others as being above yourself. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez des persévérances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. My brothers and sisters, they are our neighbors. Sometimes they don't even have food to eat. They don't even have oatmeal. Écoutez, il y a des fois nos voisins, ils n'ont même rien à consommer. Ils n'ont même pas du quaker. The electricity has been turned off. Water turn off. L'électricité a été coupée. L'eau a été suspendue. But you bypassing them there every day. Mais vous les passez. No electricity. Vous passez alors qu'ils n'ont pas d'électricité. The Bible declares, let each of you, instead of considering your own interests, la Bible déclare que au lieu que chacun de vous considère son propre intérêt, also consider the interests of others. Mais qu'il considère aussi l'intérêt des autres. You're going today, you want to buy a suit. Vous voulez aujourd'hui acheter une veste? You say, no, I'm not going to buy a suit today. I'm going to bless my neighbor. Je vais bénir mon voisin. I'm going to ask them, how are you doing? Je vais demander comment vous allez. I don't see light here. Je ne vois pas de lumière ici. What is really going on? Qu'est-ce qui se passe? You know, they will tell me. Vous savez, vous me dites. So, oh, brother, you know, it has been almost for 2 months. We don't have no electricity. Et on vous dit, mon frère, écoute, il s'est fait qu'il se passe 2 mois qu'on n'a pas d'électricité. And it's just like $200. I lost my job. I don't have no money to pay. C'est juste comme $200. J'ai perdu mon boulot. J'ai pas d'argent. You know, you can take that $200. Vous pouvez prendre ces $200. So you know what? I'm going to pay for you. I'm going to pay for your electricity. You don't care if they are safe or not safe. Vous en foutez. Vous allez. Vous en foutez s'ils sont sauvés ou ne sont pas sauvés. If they are not safe, sauvés, you are acting. Vous êtes en train d'agir. You are making your faith active.
Vous êtes en train de rendre votre foi. This man is going to look at and say, oh, cet homme vous verra et dira, sir, my wife and I, we just wanted to come and thank you. Ma femme et moi, vous voulons seulement venir vous dire merci. You have saved our life. Vous avez sauvé notre vie. Then you're going to say, okay, are you okay? Do you still have water? Because you don't know if water is running. Vous avez demandé, est-ce que vous êtes bien? Oh, Sam, please don't worry about water. The most important thing was electricity. Et il va dire, ne t'inquiète pas de l'eau. La plus importante, c'était l'électricité. Say, no, brother. Let me pay for your electricity. Il va dire, frère, laissez-moi payer pour votre électricité. Do you see how you are inviting blessing in your life? C'est ainsi que vous invitez la bénédiction dans votre vie. Instead of you, you become so selfish. Au lieu que vous, vous devenez trop égoïste. Everything, you. Chaque you. Chose de vous. You go to store this. You go to store that. Vous allez dans un magasin. Vous allez dans un magasin. They don't have anything. Alors que les autres n'ont rien. We must be distinguished in our judgment against others. Nous devons être distingués par rapport à nos jugements aux autres. For we will be measured with the same measure that we use to measure others. Parce que nous serons jugés à partir de la mesure que nous mesurons les autres. Be nice. Soyez gentil. If you even you are little. Même lorsque vous êtes start being nice. Soyez gentil. Your neighbor. Vos voisins. Tell your mama, I want to go talk to. I see a kid over there. Can I just go talk to that kid? Can you take me and introduce me to his parents? Est-ce que vous pouvez me prendre? Don't go by yourself. N'y allez pas seul. Talk to them about Jesus. Parlez-les de Jésus. You will see how God is going to start blessing your dad and your mom. Vous allez voir comment Dieu va commencer à bénir vos parents. Romans chapter 12 verse 10 tells us. Romains 12. Let us read Romans chapter 12, verse 10. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les but autres. But we parents here in America, mais nous, ici, Paris, don't go to a stranger. Ne l'aime pas vers les étrangers. Don't go to that house. Ne va pas dans cette maison. We are creating enemies. Nous créons des ennemis. Here, Roman is telling us that love is the principal love. Is the love? How can I say it? It tells us that love is the principle. Ici, Romain nous fait comprendre, Paul écrit aux Romains nous faisant comprendre que l'amour est l'élément principal. Is love is to be the guiding principle in Christian life. L'amour devait être le principe de guidance dans la vie des chrétiens. In any relationship. Dans toute relation. But my brother and sister, not because we only love those that we friend, member of the family, people that we know. Pas forcément nous aimons ceux qui sont amis, no, les familles ou les for God to really see that Zippy has love, c'est pour que Dieu puisse voir que Zippy a de l'amour. Zippy have to know how to love your enemy. Zippy doit apprendre comment aimer ses ennemis. Those people that gossip against you, ces gens qui vous critiquent, show them love. Montrez-les de l'amour. We need to show love to our enemy. Nous devons apprendre à montrer de l'amour à nos ennemis. Paul mentioned many Christian duties, but love is the most important thing. Paul a mentionné beaucoup de choses de chrétiens, mais là il dit au-dessus de tout qu'il y a de l'amour. Love is the most powerful fruit of the spirit. L'amour est le fruit le plus puissant. No. Is it fruit? No. Love. Yes. Love, you can have the gift of prophecy. Vous pouvez avoir le don de l'amour. You can prophesy to every single person here. Vous pouvez prophétiser pour chacun de nous ici. But you don't have no love. Mais vous n'avez pas d'amour. You don't want to go to heaven. Vous n'irez pas ici. Love is the most important thing. L'amour est la chose la plus importante. If you love, si vous aimez, you're not going to gossip. N'allez pas critiquer. You're not going to speak negatively. Vous n'allez pas parler négativement. Paul gives specific
instruction on how to deal with those who persecute you or persecute us. Paul a donné des instructions spécifiques pour ceux-là qui nous persécutent ou te persécutent. Those who does evil to us. Les gens qui font du mal contre nous. And they are our enemy. Ils sont nos ennemis. We are to bless those who persecute us. Nous devons bénir ceux qui nous persécutent. Oh, me bless someone who persecute me. I'm not. Moi bénir quelqu'un qui me persécute. Let them suffer. Laissez-les souffrir. The same way I suffer. La même manière dont so je souffre. Learn a lesson. Pour qu'ils apprennent une leçon. Non. Do not repay evil, but overcome evil with what? Good. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais surmontez le mal par le bien. That's what the Bible declared in verse 21. C'est ce que la Bible dit dans le verset 21. So you and I, we need to examine ourselves. Alors vous et moi, nous devons nous examiner nous-mêmes. When you see yourself buying stuff for yourself, lorsque vous voyez en train d'acheter des choses pour vous-même, and not blessing other people, et ne bénissant pas les autres, that is selfishness. C'est de l'égoïsme. Sometimes when you work like this, et des fois lorsque vous marchez comme ça, your whole check, votre chèque, like this is January, et comme c'est janvier, you take your whole check, you bring it as a first offering in the church. Vous prenez votre premier fruit. Telling chef, Lord, I am sowing it in the kingdom. Vous dites, je sème ceci dans le royaume. This year, 2020. Et cette année 2020. I want you to bless me. J'aimerais que tu me bénisses. Sometimes you take half of your check. Des fois, vous prenez la moitié de votre chèque. Especially if you don't pay rent, you don't pay no food, you live with your parents, everything is free. Et spécialement si vous vivez avec vos parents, vous ne payez pas de loyer. How to do this sacrifice. Vous devez apprendre comment faire ce sacrifice. Bless the people. Bénissez les gens. Consider other people. Considérez les autres. But we do not consider other people. Mais nous ne considérons pas les autres. That's why we need to pray. C'est comme ça que nous devons prier. We need to ask God. Lord, forgive us. Que Seigneur nous pardonne. Forgive you. Pardon. For lacking esteem. Pour le manque d'estime. And considering for my brother. Et manquant la considération pour mon frère. My sister and my brother. Mon frère et soeur. And stay in conflict for a long time and I stir up the fire of discord and division. Pour être irrévérencieux et avoir attisé le feu de la division. Everywhere I go, I bring division. Chaque endroit où je vais, j'apporte la division. Lord, help me. Seigneur, aide-moi. I was at the base of conflict and separation. J'étais la base de conflit et de la séparation. I slander. And I ate the bread of backbiting. J'ai calomnié et j'ai ate the bread of backbiting. J'ai consommé les fruits de la rétrograde, du rétrograde. I offended, I provoke, I betrayed. J'ai offensé, je trahis. I insulted, I humiliated. J'ai insulté et humilié. I hated. J'ai détesté. I rejected. J'ai rejeté. I got carried away. J'ai pris des choses au loin. I quarrel, beaten. J'ai créé la querelle, battu. All those things you observe. Toutes ces choses que vous observez. I hated my husband to a point that I wish he could die. Je détestais mon époux au point que je souhaitais qu'il meure. He made me suffer. Il a laissé que je souffre. He does not listen to me. Il ne m'écoute pas. Let him die, Lord. Seigneur, laisse à ce qu'il meure. He's not gonna die. Il ne mourra pas. You're gonna die before him. Tu vas mourir avant lui. Because God allowed bad people to live long. Dieu autorise que les mauvaises personnes vivent longtemps. So they can repent. Pour qu'ils se repentent. I neglected men. Je néglige les gens. Because I was molested. I was molested by men. Parce que j'étais molesté par les gens.
I was raped by men. J'ai été violé par I hate men. Je déteste les hommes. That's not good. Cela n'est pas correct. Because that man that molested you, when he molested you, he did not know Christ. Cet homme-là qui vous a molesté, il vous a molesté pendant qu'il vous avait molesté. He can come today to church. Il peut venir aujourd'hui à l'église. And you recognize him. Et vous le reconnaissez. And he comes and sit by you. Et venant vous asseoir à côté de vous. What is going to be your reaction? Quelle sera votre réaction? He was made in the likeness that you were made. Il a été créé à la ressemblance pour laquelle vous avez été créé. Say, Lord, I have done a great and evil. Seigneur, j'ai fait des choses mauvaises. And I'm sorry for it. Et je suis désolé pour ça. Give me a hatred. Give me a hatred for evil. Donne-moi la haine du mal. Instead of me hating people. Au lieu que moi je déteste les gens. Let me hate evil, Lord. Laisse-moi détester le mal, Seigneur. And love what is good. Aimons ce qui est bien. Keep praying that way. Continue à prier de la sorte. That's the way you're gonna be changed. C'est comme ça que vous allez être changé. That's the way you're gonna be changed. C'est ainsi que vous serez changé. Don't be hurt when someone does something. I see some people. When you're talking to them, you're giving them counsel. You tell them, say, so what you're doing is not good. They just cry. Vous allez voir des gens pour lesquels, lorsque vous les conseillez, que ce que vous faites n'est pas bon, ils vont commencer à se marrer. You cannot give them no counsel. Vous n'êtes pas en train de... Everything that you say, chaque chose que vous dites, they look at it in a bad way. Ils le voient d'un mauvais angle. That's not the way that you're supposed to live. Ça, ce n'est pas la manière dont vous devez vivre. Listen to the instructions. Écoutez, suivez les instructions. Discipline they are giving you. Les disciplines qu'on vous donne. Be willing to accept and say thank you for your counsel. I'll try to change. Dites merci pour vos conseils, je vais essayer de changer. Don't just someone tells you something. Ne soyez pas comme quelqu'un quand vous reprochez. Pourquoi est-ce que vous me dites ceci? Non. Become humble. Soyez humble. Because if a prophet comes over, parce que si un prophète vient, the prophet, if the Lord tells him something evil against you, parce que si ce prophète que l'Éternel lui dit quelque chose de méchant contre vous, he's not going to say, hey, let me just go and say, the Lord told me that you are evil. No. Il dira pas, le Seigneur m'a dit que tu es trop méchant. He will make you stand up. Il va te demander. He's going to tell you everything. Et il va te dire tout. He's going to expose you naked. Il va exposer votre nudité. Accept correction. Accepter la correction. When correction is needed. Lorsque la correction. Just don't cry. Ne pleurez pas. We can cry. Nous pouvons tous pleurer. I remember when Pastor Page rebuked me before the church. Je me souviens lorsque le pasteur m'a about my mother. À propos de ma mère. I was so angry. J'étais tellement mécontent. And the Holy Spirit said, "Be quiet." Et le Saint-Esprit m'a dit, I'm doing my work. Je accepted it. Je l'ai accepté. Today I have a better relationship with my mom. Aujourd'hui j'ai une relation beaucoup plus meilleure qu'avec ma mère. You're the one who want things to be in secret. Just tell you things in secret, or because I don't want to hurt you, I love you. No. Vous, ceux qui voulez que les choses soient secrètes parce que je ne vais pas vous hurter. Sometimes you need to be rebuked publicly. Et des fois il est important qu'on vous réprimande publiquement. The true, the pure, and the sincere reverence toward the Lord is also rare in our heart. La vraie référence envers Dieu est aussi très rare dans notre cœur. And our lives, it is rare in our life today. C'est rare dans nos vies aujourd'hui. A lot of men, they don't want their wife to minimize them. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ne veulent pas que leur femme. Or to rebuke them. Ou les réprimander. But we want to rebuke our wife. Mais nous voulons réprimander nos épouses. And you don't want your wife to rebuke you.
Et vous n'aimez pas que vos femmes vous regardent. That is not a Christian attitude. Ça, ce n'est pas une attitude chrétienne. You are a boss here, yes. Vous êtes un patron ici, oui. But you are equal with your wife. Mais vous êtes égaux devant Dieu. You all are the children of God. Vous êtes tous enfants de Dieu. You need to train one another. You need to know how to treat one another good. Vous devez apprendre comment vous faire du bien l'un à l'autre. A true fear and respect of the Lord, like Noah, is in his time. Le vrai respect et la crainte de Dieu comme Noé dans son temps. While the world was plunged in evil and chaos, lorsque le monde était plongé dans le mal, dans le chaos, this man remained intact. Cet homme est resté intact. Whole and faithful. Il était resté pur et fidèle. Upright. Droit, loyal, and clean in his relationship with the Lord. Et il était propre dans ses relations avec Dieu. Noé. How many men we can find today like Noah? Combien d'hommes pouvons-nous trouver comme Noé? He did that by depending on God. Il a fait cela en dépendant entièrement de Dieu. And being subject to him in all things. Et il s'est soumis à Dieu en toutes choses. We don't want to be embarrassed before everybody. Nous ne voulons pas être embarrassés devant tout le monde. Someone can be there, you do something wrong, and the person says, "Why are you doing that? Stop doing that." Quelqu'un est là, vous faites quelque chose de mauvais, et quelqu'un vous réprimande. We get offended. Et vous sommes offensés. And you do that thing repeatedly. Et vous faites cette chose continuellement. That is a sin. Cela est un péché. It is a sin. Cela est un péché. Noah was subject to God in all things. Noah était soumis à Dieu en toutes choses. My brothers and sisters, let us return quickly to the respect which is due to our Creator. Mes frères et sœurs, retournons rapidement au respect qui est dû à notre Créateur. To our Lord. À notre Seigneur. To our leaders. À notre leader. When they rebuke us publicly. Lorsqu'on nous réprimande publiquement. Let us submit ourselves. Laissons que nous soyons soumis. We are submitting to our Master and to our Lord. Nous sommes soumis à notre Maître et à notre Seigneur. For our life. Pour notre We are not submitting to the leaders. Nous ne sommes pas soumis aux leaders. Let us consider the sacred and respect holy things. Laissons que nous puissions considérer ce qui est sacré et respectant aussi ce qui est sacré. In the house of God. Dans la maison du Seigneur. Tell your children not to go and touch the instruments. Demandez à vos enfants de ne pas aller jouer avec les instruments. Respect the thing in the church. Respectons les choses. Don't write on the soft on the chair. N'écrivez pas sur le chaise. If I look at under the chair right now, si je regarde en dessous I will see gum. Je vais voir des bazookas, des chewing-gums. Let us abandon the evil. Laissons que nous puissions abandonner ce qui est mal. Disposition of our heart, which consists in diminishing, devaluing the sacredness of the covenant. Que nous puissions abandonner nos cœurs puissent avoir de la valeur pour ce Even in the church, we need to be very careful touching walls. Même à l'église, nous devons faire très attention, même en touchant les murs. Even we go in the bathroom, let us go to our number one, number two, very properly. Même lorsque nous allons aux installations And after using it, et après avoir utilisé, we take a piece of papers, que nous utilisons un bout de we papier, take the sanitizers, nous utilisons les sanitaires, we clean the seat, nous nettoyons les somebody else will come and sit there. Parce que quelqu'un doit venir. No, even all the people, they go in the bathroom, they pee, they don't wipe. Et il y a même des gens qui vont aux installations, ils font leurs besoins, ils ne nettoient pas. Your disease, other people catches your disease. Vos maladies, d'autres personnes obtiennent vos maladies. Especially in the black church. Spécialement dans les églises de noirs. There are so many things that God wants us to change in 2020. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles l'Éternel veut que nous puissions changer cette année. You go in the bathroom.
Vous allez aux toilettes. You don't clean your hands. Someone is coming. Vous ne nettoyez rien. After you come in from the bathroom. Après que vous venez des installations. You shake someone's hand. Vous serrez quelqu'un la main. And the urine in your hand. Et les urines en touch someone. Vous touchez quelqu'un. That person goes. La personne s'en va. And goes eat. Et va manger. And you are sick. Et vous êtes malade. Parce qu'il est en train de consommer votre maladie. That's why now, if you come out of the bathroom, I'm not going to shake your hand. C'est comme ça que lorsque vous serez. No, I'm serious. Je suis sérieux. Lorsque vous sortez des installations. Do you know how many people they get sick? Vous savez combien de personnes sont malades? You have a flu, stay home. Vous avez la grippe, restez à la maison. Comme shake people's hands. Vous vous mouchez et vous serrez les gens là-bas. That's not good. Cela n'est pas correct. We are very contagious at all time. Nous sommes très contagieux à tout instant. We do not know the hygiene. Hygiene? How do you call it? Hygiene? We don't. We go there. We spend like 5 days. We don't take shower. Nous faisons par exemple 5 jours. You don't take shower 5 days. Vous faites 5 jours sans vous laver. And you are willing to hug me. Et vous voulez me. Deodorant. You do not know how to use deodorant. Vous ne savez pas comment utiliser les. This is in America. C'est en Amérique ici. What time is it, Papa Mark? What time is it? 9:45. Oh, 8:45. We are about to close. We are very contagious at all times. Nous sommes contagieux à tout moment. At all time. À tout moment. We dominate ourselves. Dominate everybody. Nous dominons tout le monde. Nous dominons nous-mêmes. That's not good. Cela n'est pas correct. Let us applaudissons pour Jésus. That's what I had to speak today. Est-ce anyone que j'avais has a question? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Any question? Okay, no question. We're going to stand up.